Bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour un épisode ou même voir une série, hein, si possible, on verra. Sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX, donc le tout nouveau qui est sur Switch. Donc il est sorti il y a pas mal de temps, bien sûr. Mais au moins, hop, on va pouvoir jouer tranquillement. En plus, ce jeu-là, je l'avais fait quand j'étais jeune, tout petit là. J'avais fait, je crois que c'était Donjon Mystère bleu ou rouge, je sais plus. Et c'était vraiment cool. Je kiffais ça. J'aime bien les trucs tour par tour en plus, donc bah la preuve pour sur Pokémon. Donc voilà. Oh la pauvreté. Équipe de secours des X. Nouvelle partie. Oui. Oh. Bienvenue. Voici le portail qui mène au monde des Pokémon. Avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous poser. Je veux que vous y répondiez avec sincérité. On peut commencer? D'accord, c'est parti. Toujours ça, hein, au début des donjons mystères, il y a toujours des questions pour choisir en fait ton Pokémon, quel caractère il a, etc. etc. Avez-vous l'impression d'avoir ralenti le rythme dernièrement? Bien sûr. Aimez-vous vous battre? Évidemment. Vous sentez-vous triste quand il n'y a personne avec vous? On va dire oui. Avez-vous tendance à imaginer des choses pour vous amuser? Ouais. Avez-vous déjà entendu un piège? Ah, avez-vous déjà tendu un piège à quelqu'un, pardon? Pourquoi pas? Ça ne me dérangerait pas. L'ami à qui vous aviez donné rendez-vous est en retard. Que faites-vous? J'attends. Comment répondez-vous à un email? Je réponds direct. Vous dit-on souvent de faire attention à ce que vous dites? Bien sûr. Voulez-vous incarner un garçon ou une fille? Bah actuellement je suis un garçon, donc pourquoi pas. Ah, c'est pour voir si on est... Ok. Vous êtes plutôt du genre malin? Vous êtes folâtre, allègre et vous adorez les blagues? Vous avez aussi un bon cœur. C'est pour cela que les gens vous trouvent si irrésistible. Oh shit! Vous devez être très populaire. Oh! Pas tant que ça. Le jeu, il vient de me défoncer, là. Le jeu, il vient de m'éclater la tête, là. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Et bah non, je me suis fait douiller. Vous êtes trop modeste. Ou vous ne vous en rendez pas compte. Je parie que les gens n'osent pas vous déclarer leur flamme. Mais vous ne manquez pas d'admirateurs. Quelqu'un de malin, comme vous, doit être... Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est obligatoirement ça. Mais comment ça se fait que je joue avec une manette? Attends, je vais le montrer un peu plus avancé. C'est normal que je joue avec une manette Pikachu et je tombe obligatoirement sur un Pikachu. Est-ce que c'est normal?
Après, si on veut, on peut choisir. Allez, vas-y, c'est parti, Pikachu. Suivons notre mal-être et notre instinct. Voici la dernière étape. Choisissez votre acolyte. Qui sera votre partenaire? Alors moi, j'aurais plutôt mis Brasegalu parce qu'il me faut un type feu en fait justement. Parce que moi j'ai Pikachu donc les types vol c'est ok. Donc il me faudra un type entre ces trois là tu vois. Mais vu que moi c'est toujours Brasegalu, on va prendre Poussifaeu. Vas-y pour changer. Un Gunfi comme ça. Vous voulez donc qu'elle soit un Poussifaeu. Comment s'appelle votre partenaire? Oh, ça me fait chier en fait de donner un nom. Bah ouais. Ce duo vous connaissez? Je confirme effectivement. Électricité plus feu, c'est pas mal. Parce qu'en fait, l'eau va affaiblir le type feu, mais l'électricité va donc protéger le type feu, vous comprenez la suite. Et le feu va donc détruire le type plante, etc, etc. Il est temps de vous envoyer dans l'univers des Pokémon. En avant. Donc je pense que celui-là, ça va être l'épisode 29, il me semble, de la série que je fais d'habitude. Donc ça va durer à peu près 40 minutes, une heure à peu près. Je pense. On va essayer de profiter un petit peu du moment, quoi, d'apaisement, on va dire. Où suis-je? Suis-je en train de rêver? Je sens une légère brise. C'est agréable. J'entends une voix. Qui est-ce? Ohé. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Tu reviens à toi? Ouf. Oh là là. Quel est cet endroit? Tu avais perdu connaissance. Je suis contente que tu te sois réveillée. Je m'appelle Poussifeu. Heureuse de te rencontrer. Et toi, t'es qui? Et d'où tu viens? C'est la première fois que je te vois par ici. Quoi? Tu es un être humain? C'est-à-dire que tu ressembles pas vraiment à un être humain. Tu ressembles plutôt à un Pikachu. C'est vrai. Je suis un Pikachu. Mais pourquoi? Comment? Je ne me souviens de rien. Tu es un peu étrange. Et sinon, comment tu t'appelles? Mon nom... En vrai, j'aurais plutôt dû prendre un Pokémon de type feu pour pouvoir faire Phoenix, mais Phoenix, c'est tout, c'est plein de gens, tu vois. Le nom Phoenix vous convient-il? Oui. Phoenix? En fait, normalement, ça devrait être l'inverse, mais j'adore. Quel nom rigolo. S'il vous plaît, à l'aide. À l'aide. Hein? Quelqu'un appelle au secours? Ah oui, le papillon avec son chenipan. C'est horrible.
Mon chenipan est tombé dans une grotte. Mon pauvre bébé. Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol, et mon chenipan est dedans. Il est trop jeune pour sortir de là, tout seul. Oh, quel malheur. J'ai bien essayé de le sauver, mais des Pokémon m'ont attaqué. Comment? Et pourquoi ont-ils fait ça? C'est fou! Peut-être que c'est à cause de la fissure. Ils étaient tous furieux. Et je ne suis pas assez forte pour les affronter. Oh, mon pauvre bébé. Que faire? Oh là là. Je ne sais pas quoi faire. C'est terrible. On doit l'aider. Petit bois. Oh, c'est musique à l'ancienne. Tiens. Mais on dirait. Mais oui, c'est un donjon mystère. Les donjons mystères portent vraiment bien leur nom, chaque fois qu'on y entre. Ils changent de forme et les objets on y trouve sont différents. Pour progresser, on n'a pas le choix. On doit trouver l'escalier. Au fait, Papillusion a dit qu'elle a été attaquée par des Pokémon dans le coin. Tenons-nous sur nos gardes. Allez, Phoenix, en avant. Genre, j'ai raté, genre. On peut pas speeder ce poste à B. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait quoi là? J'ai fait double attaque là? Quel boss. C'est 3. De la thunasse. Oh, la petite bébé. Oh, j'ai mis un truc automatique. Dans les mains. En fait, on croyait que c'est une vidéo, mais pas du tout. Oh, le pauvre. Tout le monde se fait OS là-dedans, c'est terrible. Oh, je viens de les brain ceux d'en bas. Il est surtout en bas, c'est con. Ah bah voilà. Maman. Où est ma maman? On est là pour te sauver. Hein? Ta maman t'attend dehors. Sortons d'ici. Ok. Phoenix a réussi avec brio. Le sauvetage dans le donjon Petit Bois. Mon bébé est sain et sauf. Je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie. C'est devenu dangereux récemment, avec toutes ces secousses. En tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir pu rendre service. Merci pour tout. Oh, je ne vous ai pas demandé vos petits noms. Poussifeu et Phoenix. C'est un peu contradictoire, mais c'est kiffant. Oh, vous êtes trop cool. On dirait qu'il vient de rencontrer une vedette. Il a les yeux qui brillent. C'est un peu gênant. Mais ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être un héros. Secourir des Pokémon en difficulté, c'est plutôt gratifiant. Merci Poussifeu et Phoenix. Ce n'est pas grand-chose, mais accepter ceci engage de notre gratitude. Oh, une mini résugraine.
Genre, d'où des Pokémon ont de la thune, quoi. T'en es vraiment bien sorti, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu as des projets? Écoute, Phoenix, si t'as nulle part où dormir, viens avec moi. Wow. Je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit respire le bonheur. J'ai beau être un humain, je me sens bien ici. Si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens. J'adore. Peut-être que je sens ça parce que je suis un Pikachu. Alors, Phoenix, impressionné? Je savais que cet endroit te plairait. On s'y sent tout de suite à l'aise. N'importe qui tomberait sous le charme. Voici ta boîte aux lettres. Pense à lire le courrier que les Pokémon t'envoient. Beaucoup de Pokémon sont victimes de catastrophes naturelles. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle Chenipan est tombé? Eh bien, les incidents de ce genre s'enchaînent en ce moment. Et moi, je veux aider les Pokémon à y faire face. Je veux qu'ils se sentent en sécurité ici. J'ai vu comment tu t'es bien débrouillé quand on a secouru Chenipan. Alors, qu'est-ce que ça te dirait qu'on monte une équipe de secours ensemble? Toi et moi, on pourrait devenir les meilleures équipes de secours du monde. Ça se tente? J'accepte, évidemment. Génial. Nous voilà partenaires, Phoenix. Je suis ravi que t'aies accepté. Ah, va falloir trouver un nom pour notre équipe. T'aurais une idée de nom? Poképote, quoi. Oh, les vieux trucs de base. Bon bah là je mets mon groupe quoi, on va dire. Ça sonne bien, parfait. Au fait, j'y pense. Je gardais un truc de côté pour le jour où je serai dans une équipe de secours. Et j'en ai deux, ça tombe bien. Arborons des firmes. Oh, t'as la classe. Ça te va vraiment très bien, Phoenix. Avec ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est une équipe. En avant. Les PHX, dès demain, on se met au travail. Et ainsi, Phoenix et Poussifeu commencèrent leur carrière de secouriste et créèrent leurs équipes de secours. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours, DX. Le lendemain matin, je n'ai pas changé. Je suis toujours un Pikachu. Je me demande bien pourquoi je me suis transformé en Pokémon. J'ai beau me creuser la tête, je ne vois rien. Parce que je n'ai rien dans le crâne. D'ailleurs, l'autre Pokémon, comment il s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Attention. Déjà, ah oui, Poussifeu. Elle tenait à ce qu'on forme une équipe de secours à deux. Je me demande ce qu'elle fait. Voyons ce qui se passe dehors. Ta 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 ta. Genre, moi je dors à l'intérieur et elle adore dehors, quoi, ça dégoûte. Oh non, l'angoisse. Oups, désolé. J'étais si impatiente que je suis venue ici aux aurores. Et j'ai dû me rendormir en t'attendant. Ah d'accord, donc c'est pas chez elle, c'est juste qu'elle s'est endormie là. Okay. Enfin bref, aujourd'hui notre équipe de secours fête ses débuts.
Enfin, pour ça, il faudrait d'abord qu'on reçoive des demandes. Vérifions quand même la boîte aux lettres, avec un peu de chance. Bah, je sais pas, ta boîte aux lettres, elle est peut-être pleine. Hein. Visuellement, en tout cas, elle est vide. Hein. Un kit de secours. Je le savais. C'est le kit de secours. Toutes les nouvelles équipes en reçoivent un. Ouvre le kit de secours. Un badge de secouriste. Boîte à objets. Un journal Pokémon. Super. Il est rempli de choses utiles. Le badge de secouriste prouve qu'on fait partie d'une équipe de secours. Dans la boîte à objets, on peut ranger les objets trouvés dans les donjons. J'ai déjà placé ceux que Papillusion nous a déjà donnés à l'intérieur. Les objets, c'est très utile, faudrait penser à l'utiliser pendant les missions. On a aussi reçu le journal Pokémon, il contient plein de conseils et d'astuces. Plein de conseils et d'astuces. Aussi, c'est un peu aussi ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Je le laisse dans la boîte aux lettres, je pense le lire à l'occasion. Voyons s'il reste des choses là-dedans. Bravo, maintenant qu'elle est vide, oui. Normalement, on reçoit les demandes de sauvetage par courrier. Mais on vient de créer notre équipe, personne ne nous connaît. Ok. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Oh, un béguipan! C'est peut-être une demande de sauvetage. Qu'est-ce que ça dit? Ah, des magnétis maintenant. Une mystérieuse vague électromagnétique a jailli dans une grotte. Et deux magnétis se sont retrouvés collés l'un à l'autre. C'est terrible. Deux magnétis collés ne suffisent pas à faire un magnéton. Maintenant, il en faut trois. Je vous en prie. Aidez-les. La magnétime. Allons-y. Ah, ça c'est une réponse de secouriste. Allez, les BG, c'est parti. La grotte éclair. Nous voilà. Nos amis sont dans cette grotte. Ils sont à l'étage moins 6. Aidez-les s'il vous plaît. Ah ouais, ils sont hauts. Grotte éclair. Donc je préviens que là je joue avec une Switch OLED. Donc en gros je l'ai mis dans le dock. Je sais pas ce que ça pourrait ressembler, mais en tout cas ça a l'air d'être propre. Oh, le one shot. Merci. Ah, quand même moins 6, hein, c'est chaud. Non, tu me crois, j'ai une herbe, sérieux? Ok, allons-y. Moi, 3.
Ok. Oh, ça fait mal, hein, contre un type électrique. Oh, je l'ai détruit. Oh, oh le cul-de-sac, non. Hop là, on est régène, on est bien. Moins 4. Donc les objets bleus, c'est... ouais. Les objets, genre les trucs bleus, c'est... c'est genre des pièces, des objets et tout. Rouge, les ennemis. J'ai vraiment de la chance. Hein. Moins encore un. Oh! Montée de niveau. Ça fait plaisir. Ah, t'es bien le seul à monter de niveau, toi. Hein. Encore un cul-de-sac. Allez, let's go. Donc ça, c'est la dernière zone. On les a trouvés. Il faut les sortir de là. Phoenix a accompli avec brio sa mission dans le donjon Grotte Éclair. Nos corps sont séparés. Joie, bonheur. Hurrah. Hurrah. Quel soulagement. Merci de les avoir sauvés. Une grosse pomme. Mmh. Une baie au hareng. Ouh, la tunasse. C'est vraiment sympathique tout ça. Hein. Je suis si contente que le sauvetage se soit bien passé. Je dois t'avouer quelque chose. Comme c'était notre première mission officielle, j'étais assez stressé. Ça m'a épuisé en tout cas. Je vais rentrer et me coucher. On remet ça demain, d'accord? Allez, salut, au revoir. Merci, au revoir. Ah, c'est là où je vais rêver, là. Où? Où suis-je? Est-ce que... je suis en train de rêver? Oh. Je sens une présence. C'est quelqu'un que je reconnais. Qu'est-ce que ça peut bien être? Moi je sais c'est qui. Je crois que j'ai fait un rêve. Et je n'arrive pas à m'en souvenir. Bon, ce n'est pas grave, j'ai des missions de sauvetage à faire et à accomplir. Je me demande si j'ai du courrier. Je vais regarder dans la boîte aux lettres.
Oh. Aucune demande de sauvetage. Jean-Phoenix, tu te lèves tôt, dis donc. Oh, t'as déjà regardé la boîte aux lettres? Alors, on a reçu des demandes de sauvetage. Que Oh mince alors. Bon, après tout, on vient tout juste de commencer. On devrait aller sur la place Pokémon. Qui sait, on trouvera peut-être des demandes de Pokémon à la poste, bec et pain. La place Pokémon est par là. Allons-y. Elle est toujours pleine, genre limite, t'as même pas regardé quoi. Voici la place Pokémon. Oh damn, ça. Ici, c'est le magasin Kecléon. Tu peux y acheter et vendre les objets. Ah là, la banque, ça je me rappelle. Voici la banque Persian. Pour mettre ta thunasse en sécurité. Moi, je me rappelle d'un Kangourex, alors. Ça, c'est la Gon boutique, Gloopty. L'outil peut lier des capacités pour toi. Ah ouais. Tu sais pas ce que ça veut dire? Tu peux lier des capacités pour faire des combos. Si le sujet t'intéresse, tu peux te renseigner auprès de Goupy. Ah, le Kangourex. Et là, c'est la réserve Kangourex. Tu peux y déposer tes objets. Place tes objets importants ici pour éviter de te les faire perdre dans un moment. Ah, y a pas un Makuta en bas là? Et par là, tu trouveras le dojo Makuta. Oui, voilà, je me disais aussi. Si tu veux t'entraîner ou tout savoir sur les donjons, c'est là qu'il faut aller. C'est pratique. Tous ces commerces, tu trouves pas à la place. Il n'y a pas une fontaine aussi? Quant à la poste Bekipan, elle est là-bas, au bout de ce chemin. On devrait pouvoir y trouver des informations sur les sauvetages effectués. Je pense qu'il faudrait commencer par là. Oh, la nostalgie. Le bâtiment, c'est la poste Bekipan. Tous les appels à l'aide des Pokémon sont centralisés ici. Regarde ce tableau d'affichage. C'est là que sont listées toutes les missions de sauvetage. Jette-y un œil. Ah ouais. Je prends tout. Rien à foutre. Non, non, c'est bon. T'as vu toutes ces annonces? Pour partir en mission, faut aller dans le donjon indiqué dans la lettre. Pour ça, c'est simple. Suffit de suivre le chemin devant la base. Ah oui, d'accord, et c'est ici qu'on va pouvoir accéder à la carte et tout. On devrait commencer par celles-là qui sont disponibles ici. Si on les réussit, ça nous fera une bonne réputation. Eh bien, vite, on nous enverra des demandes directement dans notre boîte aux lettres. Oh là, c'est merveilleux quand même. Ah, j'aurais pensé qu'il y aurait été une sorte de dézoom. Ah, j'ai pas vu. Grade novice, j'ai vu. Oh, c'est votre première visite à Poste Bekipan? C'est ici que les secouristes partent pour aller sauver leurs potes en galère. Suffit de saisir un mot de passe ou se connecter à Internet. Un ami peut venir t'aider si ton équipe. Ok. Ah oui, d'accord, on peut aller, ok. Tout le monde y gagne. Tu devrais essayer toi aussi. Non, 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 c'est bon, ça va le faire.
Et genre, on se barre direct. Ah ouais, d'accord. Allez! J'ai pas besoin de vendre des trucs ou d'acheter, tu vois. Pour aller dans un donjon, faut aller prendre ce chemin. Maintenant que je t'ai tout expliqué, allons secourir les Pokémon qui ont besoin d'aide. Putain, c'est propre. Oh, ça a l'air d'être intéressant, ça. Apparemment, il y a trois trucs. Trois trucs à sauver dans une seule zone. Non, c'est une blague. Et mon Pikachu, montez de niveau. Ah oui, d'accord, la thune est doublée, c'est ça? L'objet. Bouteille. Ok, non. Il va falloir fouiller. Ah, il est là, on le voit, regarde. C'est une étoile. Nickel. Après, ils vont me demander sûrement de me barrer de là, tu vois. Hop, on a déjà fait une mission en un. Deux missions déjà faites. On va fouiller les objets là. Ils disaient que c'était quoi? C'était au 6? Moins 6? Ouais, c'est ça, fallait au moins 6. Encore. Un coffre luxe. Ouais, c'est propre. Je suis immunisé, donc il me fait rien, quoi. Ce speedrun. Hop, un coffre. C'est vrai, j'ai chopé un coffre élégant. Il ne reste aucune mission à accomplir dans ce donjon. Voulez-vous quitter? Oui. Oui, bah oui, s'il n'y a plus de mission, on va rester là. Phoenix a accompli avec brio sa mission dans la grotte donjon mystère. Oh! Friandise irisée. Friandise DX. Ça, c'est magnifique.
Les objets que vous avez reçus ont été envoyés dans la réserve Kangourex. Oh, c'est magnifique. Ça doit se vendre ultra cher. Merci, vous m'avez rapporté la bouteille scoop que je voulais. Vous avez bien mérité cette récompense. Oh, bon, c'est un petit truc. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez bien mérité cette récompense. Oh, ça va. Oh, l'antiscope. Ça, c'est bien, ça. Ok. Oh, deux déjà. C'est quoi comme récompense? Élixir max et thune. Oh, c'est propre en vrai. Efficace. Quelle journée. On mérite un peu de repos. À demain. Alors, est-ce que demain. Est-ce que, genre, je vais rêver? C'est possible. Le lendemain matin. Ah, bah non. Bonjour Phoenix, encore une journée pleine de missions qui commence. Qu'est-ce qui se passe? Un petit. Oh non. Trois petits trous, creuser des tunnels, ça met de bonne humeur. Mince alors. Je suis où? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, désolé, je m'appelle Topicker. Je m'amusais à creuser les tunnels devant les postes B-Kipan. J'adore ça. C'est marrant, mais je fais pas gaffe et je me suis retrouvé ici. Et j'ai fait plein de trous dans votre jardin, pardon. Ah, c'est pas grave. C'est juste des trous. Oh, vous m'en voulez pas, c'est gentil, Sasni. Fais attention, d'accord. Si t'en creuses trop, des gens risquent de tomber dedans. D'accord, je ferai gaffe. Sur ce, je retourne creuser gaiement. Et je rebouffe les trous, hein, si j'y pense. Allez, salut. Merci, au revoir. Damn, son. Ah! Une lettre! Courrier. Non, c'est pas fou. Ouais, c'est juste truc de base, quoi. Assiduité à l'intérieur. Ticket, c'est. Ok. Il reste la mission petit bois. Ah, merci, là. Ok, donc cette mission, elle est faite. Il y a une secours dans celui-là, donc on va faire celui-là. Et dès qu'on a fini celui-là, on s'arrêtera là, donc. Voilà. Sauf s'il y a d'autres missions, mais les missions, voilà. Après, ça dépendra pas de moi, après. Ça dépendra de vous, en fait, tout simplement. Si vous voulez que je recommence, je continue. Vous me dites. Oh, ça donne qu'une pièce, hein, par contre. Hein. Mais là, c'est des petits Pokémon, donc ça va. Hein. Pas comme si c'était des trucs énormes. Oh, un petit. Oh, le petit omelette, là. Ouais, donc ça va être là, là. Ici, là. Je m'en doutais, quoi. Donc c'est à moins 3, hein, c'est ça? Ouais, donc. Oh non. Putain. Moi qui avais terminé, je dois avancer, quoi. Que te faire, Jamie? Oh, il a douillé lui, hein. Ah, il y a un truc bleu clair, donc ça doit être là, je pense.
Voilà, si le Pokémon tourne grain. Hop là. Genre, il y avait juste ça. Bah, si y a, si y a, y a plus rien, ok. Mais il disait que c'était en 3, donc... Ah, bah ouais. On se barre là. Là j'ai cru voir moins 3. Mission. Petit bois. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez bien mérité cette récompense. Élixir. Oh là là. L'élixir. Quelle journée. On mérite un peu de repos. Allez, à demain. Putain, les journées sont rapides. Hein. Une mission terminée. Hein. Ah, c'est là qu'on va rêver encore. Hein? Encore ce rêve? C'est encore cette présence. J'entends une voix. J'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit. Hein? Le sol tremble. C'est un séisme? Oh là là, c'est de plus en plus violent. Pour un rêve, ça paraît drôlement réel. Oh là là, quel drame! C'est terrible ça! Le lendemain matin. Ouais, tu nous entends. Sans encore le topiqueur, s'il te plaît, non, pas l'intérieur. On cherche Phoenix, c'est toi, n'est-ce pas? Oh non, pas l'intérieur, s'il te plaît. Non, pas toi. Oups, c'est vrai, tu ne peux pas nous voir. Pardon. Et voilà. Mon pauvre parquet, quoi. Et hop, là. Enchanté. Nous sommes très au piqueur. Il y a eu un séisme hier. Et tu le sais peut-être. Une tragédie s'est abattue sur nous. Topiqueur, notre petit a été enlevé et s'est fait ok. Hein? Et il a été emmené au sommet d'une montagne. Oh, c'est Hermure, je suis sûr. Ça me rappelle un truc, ça. C'est beaucoup trop haut pour nous et nous ne pouvons pas y aller. Nous avons besoin de ton aide, Phoenix. Le Pokémon qui a été enlevé, notre fils, est Hermure, effectivement. C'est une brute odieuse. Fais bien attention. Nous comptons sur toi. Sur ce, merci, au revoir. Ok, bon. Ah, il s'est fait enlever. Donc du coup, là, va falloir... Oh, ça va être la merde. Salut, Phoenix. Quoi? Quelqu'un t'a demandé de l'aide? Tout à fait. Notre fils Topiqueur a été kidnappé. Il a été emmené au sommet de Mont Acier. Nous comptons sur vous pour le sauver. Sur ce, merci, au revoir. Cette beau, cette vitesse. Ah, je vois. Topiqueur, c'est le Pokémon qui creusait des trous ici, c'est bien ça. Il s'est fait topnapper, hein, enlever. Il faut vite aller au sommet alors. Le sauver alors. Oh, vite! Le Mont Acier, vous avez désormais accès au donjon Mont Acier. Oh non, un gros éclair, il y a des bonus, mais... On va aller au Mont Acier. C'est moi qui voulais m'arrêter. Allez, continuons au Mont Acier. Nous y voilà, c'est le Mont Acier. Topiqueur doit être au sommet. C'est exact. Le sommet correspond à l'étage 8. Nous comptons sur vous, sur ce. Merci, au revoir. Mais lui, il casse la tête, là. Allez, salut. Rez-de-chaussée. Ah, il tank. Ah, ça c'est... Les flammes... Je sais même pas s'il peut voler. C'est ça qui est la question que je me pose.
accroche ce petit grave là, magnifique. Moi c'est 1, oh là là, 8, j'ai envie de pleurer. Oui mais au revoir, en fait. Oh non. Ouais, c'est là, voilà. Ok. Oh, il y a même ça. C'est bon, il a pris l'objet, c'était une BO1. Ah putain. Il résiste pas beaucoup, hein. Oh mon petit Pikachu. Oui. C'est quoi qu'il a pris? Camaraderie. Non. J'ai que les attaques en fait, physiques et tout, donc ça sert à rien de faire ça en fait. Alors, pourquoi t'es ? Encore 4. Et heureusement qu'il est là, hein, le poussifeu. Hein. Il carry, hein. Oh la brûlure! Ok. C'est quoi ça? C'est pipic, pic pic. Attends. Allez, vas-y. Je te laisse boire tranquille. Oh, il... C'est bien, ça monte vite, hein. Voilà, parfait. Encore deux. Oh, il y en avait un juste là. C'est rapide, hein. Thank you.
Ah ouais, quand même, boule élec, ça fait énormément de dégâts. Oh là. Ah, il XP bien lui, hein. Parfait. Nickel. En fait, plus on marche et plus... Ok. Nickel. Bon, là, c'est parti. C'est l'affrontement. Regarde, Phoenix. Ton piqueur est là-bas. Dis, tu vas bien? On est là pour te sauver. J'ai peur. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? On est ici pour porter secours à Topicker. Laisse-le partir, Hermion. Quoi? Mais quel toupet! Ce sale fouineur et sa famille n'ont que ce qu'ils méritent. Je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit avec tous ces tremblements de terre. En tout cas, c'est de leur faute, avec leurs trous partout. C'est complètement faux. Oui, il y a beaucoup de séismes ces temps-ci. Mais c'est pas de la faute des Topicers ou de sa famille. Silence. Je vais vous apprendre le respect. Hermure a l'air très en colère. On n'arrivera pas à le raisonner. Pas le choix, va falloir le descendre. Et bon, il est pas dans la merde. En même temps, j'ai un bon starter hein, pour lui. C'était trop simple. Hein. Ah, vous m'avez vaincu. Je me vengerai. Ouais. On a fait fuir Hermure. C'est bon, maintenant tu peux descendre. Je peux pas, j'ai trop peur. T'inquiète pas. Reste où tu es, on arrive. Oula, ça rigole pas ce précipice, on voit même pas le fond. Phoenix, comment on va faire? On peut pas traverser ça. Oh mais c'est les magnétis, c'est de ceux de la dernière fois. On nous a prévenus. On se charge de sauver Topicker. Accroche-toi. Bien. Pas de panique. On ne va pas t'électrocuter. Bah de toute façon c'est un type seul, MDR. Phoenix a accompli avec brio sa mission au donjon Mont Acier. Oh, comme j'ai eu peur. Ça devrait être à cause de ce vertige. J'ai l'impression que mes jambes pédalent encore dans le vide. Drôle ça. C'est vraiment exceptionnellement drôle hein. T'es sain et sauf? C'est tout ce qui compte. Ouais, c'est vrai, merci. Oh, tu es là, quel soulagement. Ah, il y aura un tremblement, c'est le père qui va arriver, je crois. Qu'est-ce que c'est? J'entends des voix. Oups. Pardon, vous ne pouvez pas nous voir. Bonjour, c'est nous, Triopicard. Mais papa...
au piqueur, nous étions si inquiets. Tu n'es pas blessé ? Non, j'ai eu très peur, mais je vais bien. Et c'est grâce à Phoenix et son équipe. Merci pour tout. Vous avez été formidable. Vous devriez plutôt remercier les magnétis. On n'aurait rien pu faire sans leurs aides. Oh, vraiment. Un grand merci à vous aussi, merci alors. Je vous en prie. Nous avons fait que notre devoir. De plus, nous avons un point commun. Notre forme évoluée est aussi un trio. Et il faut se serrer les boulons entre Pokémon. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle. Phoenix, Poussifeu, merci encore. Sur ce, merci, au revoir. Vous recevez une huile max. Ah bah, celle que j'ai utilisée. Un guérigraine et 800 Poké-Dollars. Il est temps pour nous de vous quitter. Attendez, partez pas. Oui. Ça vous dirait de rejoindre notre équipe ? Rejoindre notre équipe ? Oui. Sans vous, on n'aurait jamais réussi à ce sauvetage. On aurait encore besoin de votre aide à l'avenir. Oh, bien sûr. Alors, c'est d'accord. Vous rejoignez notre équipe de secours. Une équipe de secours ? Ça a l'air intéressant. Mais dans ce cas, nous aurions besoin d'un endroit où nous installer. Y aurait-il un lieu adapté par ici ? C'est-à-dire ? Pas vraiment, non. Je vois. Tant pis. Nous ne pouvons pas rejoindre votre équipe. Au revoir. Genre, j'ai l'impression qu'ils étaient en train de courir, en fait. Les magnétis, ils étaient en train de courir, quoi. C'est terrible. Oh bah, c'est dommage. Mais c'est vrai, faut que notre équipe soit à côté pour être toujours prête à partir. On doit trouver un endroit où loger les Pokémon si on veut plus de membres. Oh, je sais. Demain, on se rendra sur la place Pokémon. On ira se renseigner au club camping. Il était fermé l'autre jour. Mais il sera peut-être ouvert demain. Le club est à côté de la banque Persian. Et c'est Gros Doudou qui s'en occupe. On y trouvera peut-être des informations utiles. C'est décidé alors. Demain, cap sur la place Pokémon. En tout cas, c'était vraiment bien. Hein. Moi, j'ai kiffé hein, l'affrontement. Bon, j'aurais préféré un affrontement un peu plus délicat, mais c'était ok. C'est encore ce rêve. Je savais que tu vois, on voit un peu Gardevoir. Cette silhouette. Qui ça peut bien être ? Cette fois-ci, j'entends quelque chose. Un être humain. Mon rôle. Attends, s'il te plaît, je veux en savoir plus. Non. Je n'entends plus rien. Eh ben, c'est terrible. Le lendemain matin. Juste aller voir vite fait, avant de nous quitter. Salut Phoenix. Haha, t'as pas l'air en forme. Hein. T'as mal dormi ? Ah oui ? Tu as fait des rêves étranges. Comment ça ? Oh, je vois. Phoenix, tu m'as dit que t'étais un être humain, pas vrai ? Alors qui sait ? Ces rêves ont peut-être un lien avec ta transformation en Pokémon. Au fait, dis-moi. Est-ce que tu veux redevenir un être humain ? Qu'est-ce qui t'arrive, t'hésites ? Après tout, je te comprends bien. C'est plus rigolo d'être avec moi. Au fait, faut pas qu'on oublie d'aller sur la place Pokémon aujourd'hui. On doit trouver comment recruter de nouveaux membres. Allons au club camping de Grand Doudou. Yo, Grand Doudou, il est là. Hein. Ouais, je m'en doutais. «
Bienvenue au club camping. Oh, c'est la première fois que vous venez? Je vois. Vous venez de créer votre équipe de secours, c'est ça? Vous avez frappé à la bonne porte. Au comptoir. L'organisation de secours m'a envoyé ici pour aider les équipes comme la vôtre. Ma mission principale est d'installer des camps de secourisme. C'est là que les membres de votre équipe se tiennent prêts à passer à l'action. Vous pouvez choisir de les installer en forêt ou au bord de l'eau, par exemple. Faites votre choix en fonction des Pokémon que vous allez recruter. Monter un camp coûte de l'argent, mais je vais faire une exception. Votre équipe aura droit non pas à un, ni à deux, mais à trois camps gratuits. C'est parti. Camp. Félicitations. Vous avez désormais des camps dans les plaines sauvages, le bois de brume et sur le plateau azur. Vous pouvez recruter les Pokémon qui y vivent. Pour ça, rien de plus simple. Dans un donjon, si un Pokémon s'en prend d'affection pour vous, il vous demandera sûrement de rejoindre votre équipe. Acceptez-le et le tour est joué. Et voilà, vous avez tout. Vous savez tout. Bon courage pour la suite. Tu ouvres des camps gratuitement? Quel heureux hasard. Peux-tu en ouvrir un à la centrale? J'aimerais faire une partie de leur équipe. Et voilà. Le camp de la centrale est prêt. Le camp de la centrale est désormais disponible. C'est super. Mon ami n'a pas pu accepter votre invitation hier. Mais ça l'a tracassé toute la nuit. Car tout ce qu'il désire, c'est rejoindre notre équipe. Est-ce que vous acceptez quand même de le recruter? C'était notre idée à la base. Il est le bienvenu dans notre équipe. Tu as entendu ça? Tu peux les rejoindre. Tu vas devoir te montrer digne de leur confiance. Oui, je vais faire de mon mieux. Je suis content. Magnéti niveau 7 a rejoint votre équipe. Bah, de toute façon, niveau 7, en fait, c'est selon le niveau qu'il a actuellement. Donc. Je vais m'installer au camp de la centrale. Si vous avez besoin de moi pour une mission, venez me rechercher. Allez, merci, au revoir. Pour rejoindre vos camps, prenez le sentier à gauche de chez Phoenix. Et si vous souhaitez partir en mission avec Magnéti, prenez le chemin en bas. Avant d'entrer dans un donjon, vous pouvez modifier votre équipe. Et voilà, c'est tout. Bon courage pour vos missions. Oh, il y a toujours un truc qui va se passer. Hein. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On dirait que des gens se disputent. Il faut l'aider, s'il vous plaît. Hors de question. Nous n'acceptons pas ce genre de mission. Mais il suffirait d'une rafale pour l'aider, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Quel douille-bouille, n'est-ce pas? Kotovol a besoin d'aide, mais ça n'intéresse personne. Tu vois ce Pokémon? Celui avec le nez pointu au milieu? C'est Tangalis, lui aussi a une équipe de secours. Mais il n'accepte que les missions très bien payées. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Pauvre Kotovol, il a l'air désespéré. Un instant. Oh mais c'est... Wouah, c'est à la Kazam. Tu as donc pas de cœur. L'ami de Kotovol n'a besoin que d'un simple coup de vent. Et tu peux créer des rafales avec des feuilles. C'est un jeu d'enfant pour toi. Aide-le donc. Bon, c'est d'accord. Ouah, respect. Tangalis a accepté sans broncher. C'est qui? Tu ne les connais pas? C'est Alakazam et ses acolytes. Ils forment l'équipe de secours la plus célèbre des environs. Lui, c'est Dracofeu. Il peut faire fondre des montagnes avec lance-flammes. Et lui, c'est Tyranocif. Il possède une force colossale et une armure impénétrable. Et voici leur chef, Alakazam. Il n'aime pas les combats physiques,
Alors il se bat avec ses pouvoirs psychiques. Son cerveau est super développé. On raconte qu'il a un QI de 5000. Sa mémoire contiendrait tout ce qui s'est passé dans le monde. Dans l'équipe, c'est lui qui commande. Oh, merci infiniment. Je t'en prie, c'est bien naturel. Si quelqu'un refuse à nouveau de t'aider, signale-le moi au revoir. Merci. Oh, la classe. Ça, c'est une équipe de secours. De grade or, une vraie. Que vous arrive-t-il? Que se passe-t-il? Rien, tout va bien. Allons-y. À mon avis, il a dû capter que mon Pikachu était un petit peu, avait une aura un peu humaine pour ça. Oh là là, j'ai eu une de ces trouilles. Trop classe. Phoenix, il faut qu'on devienne comme eux. On va recruter plein de membres et former la meilleure équipe du monde. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ah là, casse la tête, lui. Hein. C'est un enfer, lui. Hein. Le lendemain matin. Salut, Phoenix. Je sens qu'on va aider plein de Pokémon aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a bien pu recevoir? Alors, édition spéciale. Les friandises irisées, ces douceurs dont on raffole tous, arrivent dans les camps. Qui dit camp dit friandise. Qui dit friandise dit camp. Pourquoi ont-elles autant de succès? Est-ce pour leur saveur? Oui, mais pas seulement. Parfois, elles permettent d'apprendre de mystérieux capacités cool. Les friandises irisées sont des denrées rares. Mais pour fêter l'ouverture de vos camps, l'organisation de secours vous en offre. Consommez ces délices sans modération. Ok. Pour être les meilleurs, c'est simple. Manger les friandises irisées. Cette vieille propagande, quoi. On en a trois, c'est parfait. Allons les manger avec Manetti. Les camps sont par là. Oui. Attends, c'est quoi la touche? Grade novice, grade suivant dans 400 points. Et ben voilà. Donc je pense que... On a sauvegardé. Attends. C'est où qu'on peut sauvegarder? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. On verra ça, donc, une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Là, en fait, cet épisode, ça va être l'épisode 29 ou 28, je sais plus, de la petite série que j'ai faite en tout début. Mais si cette vidéo vous a plu, vous pouvez dire en commentaire qu'elle vous a plu et je pourrais commencer à faire un let's play dessus, etc., etc. Mais en tout cas, ça, c'est juste une vidéo, l'épisode 29. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. On verra ça donc une prochaine fois, donc je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Bye à tous.